Chers amis, vous souvenez-vous de ces périodes de vie où, ayant achevé votre scolarité ou votre apprentissage, quitter un travail ou une relation n'étant plus en phase avec qui vous êtes, vous aviez ce sentiment de liberté et de « tout est possible » et que, bien que ne sachant pas ce que vous alliez pouvoir faire ou découvrir, vous éprouviez toutefois un magnifique et inexplicable enthousiasme. Ces moments, indépendants des circonstances extérieures, sont précieux et magiques. L'espace d'un instant, ils ont ce pouvoir de nous extraire de nos habitudes, plus particulièrement de nos habitudes de pensée, en nous faisant éprouver une joie qui confine à l'extase, un sentiment de force et de réjouissance, intemporel et merveilleux, un sentiment directement issu de ce que nous sommes, de la nature illimitée de notre être. Et puis, petit à petit, sans y prendre garde, nous nous laissons happer par le monde, par le quotidien, et nous oublions que nous sommes tout-puissants, comme des dieux. Cependant, ce n'est pas parce que nous oublions que nous cessons d'être ce que nous sommes. Tout ce qui nous traverse en tant qu'émotion, pensée ou sensation n'est que l'écume des jours conditionnés de notre existence, mais non pas qui nous sommes. Nous pouvons aborder notre existence de deux façons différentes, soit en plongeant dans le monde et en nous y oubliant, en oubliant jusqu'à notre nom véritable, soit en nous tenant dans le monde sans rien vouloir de lui, mais juste le traverser, comme le voyageur sillonne un pays, sans attache, sans exigence, sans regret, en laissant se déposer derrière lui la poussière de ses pas sur la route, comme autant de souvenirs inféconds dont il n'a plus à se soucier, sachant que l'avenir ne réclame de lui qu'une parfaite disponibilité. Nous pouvons encore traverser le monde comme Orphée traversa les enfers, parvenant à endormir Cerbère et à fléchir Hadès. Car du champ de notre cœur, nous pouvons triompher des obstacles extérieurs. Nous sommes incarnés dans un monde dont nous n'avons pas à subir les contraintes si nous usons de notre liberté et de notre certitude que tout est vraiment possible. Comme Orphée visitant un monde qui n'est pas tout à fait le sien, nous n'avons pas à nous affliger si nous le laissons aller à lui-même, tandis que nous allons à nous-mêmes. Le monde ne saisit dans ses mâchoires que ceux qui lui vouent passion et intérêt. Il laisse en paix ceux qui ne font que le traverser, en voyageurs avertis et attentifs, ceux qui se laissent guider par chaque nouvel instant et qui rencontrent l'autre et les événements dans la simplicité de l'instant. Vivre, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas grave, c'est une aventure, c'est presque un jeu. Il faut fuir la gravité des imbéciles, disait Jacques Brel. Or, le monde ne veut qu'une chose de nous, que nous nous passionnions pour lui, que nous lui accordions toute notre attention, en oubliant que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, tandis que lui, le monde, continue sans eux, sans nous. Exerçons-nous à nous tenir symboliquement devant notre pierre tombale
et à savourer la quintessence de ce que nous avons réalisé jusque-là et pour laquelle le monde n'a rien de commun et n'est pas l'auteur. Trouvons dans cette contemplation la paix intérieure et un sentiment d'accomplissement. Non pas que notre vie fût jusque-là parfaite, mais que nous en ayons relevé les défis, quelles qu'aient été les circonstances, puisque nous sommes là. Nous sommes des passagers, des explorateurs de la vie, non pas du monde. Le monde n'est pas la vie. Le monde passera. La vie, elle, ne passera jamais. Nous avons le droit de nous affranchir de toutes les exigences du monde, de toutes ces manigances cherchant à nous entraîner à sa suite comme la locomotive traîne ses wagons. Nous avons le droit de sortir des rails et de suivre nos aspirations, loin de celles du monde. Nous avons tous les droits, puisque nous sommes les enfants de la vie. Tout est possible à celle, à celui qui garde en lui cette certitude enfantine, que la Providence marche dans ses pas, qu'elle nous précède, qu'elle éclaircit le chemin pour nous. L'avenir, nous n'avons pas à le prévoir, mais à le permettre, nous invitait déjà Antoine de Saint-Exupéry. Chers amis, nous pouvons dès à présent nous exercer à vivre sans nous préoccuper du lendemain, mais en mettant tout notre cœur dans ce que nous sommes maintenant, dans ce que nous ressentons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous éprouvons, en élevant toujours plus haut le meilleur de nous-mêmes vers la lumière. Et peu importe où va le monde, la plupart des événements qui s'y déroulent sont hors de notre portée et nous n'y pouvons rien. Nous concentrer sur ce qui est à proximité, sur ce pourquoi nous pouvons agir et ne pas hésiter à y mettre toute notre ardeur, toute notre foi et tout notre amour. Voilà ce qui nous renforce et éveille à nouveau ce sentiment de pure liberté du « tout est possible ». Nous pouvons tout si nous ne nous soucions plus des vieilles croyances enfermantes, des politesses qui nous rendent inauthentiques, du conformisme qui nous entrave, du devoir de répondre à ce qui nous est étranger et ne nous regarde pas. Le monde cherche à nous pousser, à prendre parti. Prenons le parti de la vie et laissons la Providence continuer à ouvrir notre chemin. Nous serons alors debout, au milieu d'un monde couché, comme il l'a toujours été. Et nous pourrons alors sourire, sachant que les trésors que nous cherchions sont demeurés cachés sous l'artifice de notre peau, comme la graine est dissimulée sous l'enveloppe protectrice de la coque. Quelles que soient les circonstances, rappelons-nous que nous sommes invités à germer et à nous élever au-dessus du terreau du monde en pousses solides et fécondes, car nous portons en nous, comme la graine, les substances nourricières qui nous permettent de croître dans la lumière, les substances spirituelles de notre nom divin contre lequel le monde ne peut rien, absolument rien. Sachant que nous portons en nous la substance même de nos réalisations, nous ferons alors de l'année à venir et des suivantes l'écrin de tous nos possibles, le trône de nos achèvements, l'apogée de nos réussites. Alors, nous goûterons le miel de notre nom divin et y désaltérerons notre être et tout ce qui nous entoure.